Le texte m'a toujours intéressé, si tu veux. Mmh. Si tu veux le... Et justement, le texte dans le folklore, tu vois, et justement, quand même, c'est important pour moi, le texte. Mmh. Et puis, quand il y avait aussi, pendant la guerre du Vietnam, il y avait toute cette résistance aussi, et le texte des chansons, tu vois. Tu vois, mmh. C'est une arme aussi, dans ce sens. Ça peut être une arme, mmh. un texte, pour la paix. Tu as la contestation maintenant du rap ou du slam, mais ça on le comprend, on le comprend. C'est bien, si tu veux, c'est plutôt sain, si tu veux. Évidemment, c'est quelquefois un peu haineux, hein, qu'il n'y a pas de... Hein, un peu, ça déborde quelquefois, donc c'est certaines personnes, tu vois. Parce qu'ils ne sont peut-être pas arrivés à amour, paix et joie. Parce qu'ils sont tellement dans une situation, dans les banlieues, qui n'est pas mort. Hein. On peut apporter quelque chose par la chanson. Je sais combien de personnes qui m'ont dit « Ah, vous avez bercé toute mon enfance ». Mais je ne peux pas rester blasé par rapport à ça, quoi. C'est ce que j'entends ça. Mais je dis, écoute, je suis quand même, j'ai un peu de responsabilité là, quand même. Célèbre, être célèbre. Enfin, mais moi, j'ai la chance d'être un peu en marge. Tu vois, j'ai un pied dedans, mais pas trop. Si je peux apporter du bonheur aux gens, bah, il ne faut, pas que je m'en prie de leur apporter du bonheur. L'âme s'élancera, fait une beauté encore jamais vue. L'homme comprendra ce que seulement les sages ont vu. Toute vie connaîtra la félicité. L'amour divin et l'homme verra.